Nous avons reçu en 2014, en novembre plus précisément, une subvention du PASA. Ça nous a permis d'avoir des machines, d'aller plus vite dans le travail, de faire plus efficacement le travail et de faire beaucoup plus qu'avant. Nous avons une capacité de 12 tonnes jour en termes de production d'aliments complets. Par le passé, on se limitait à une tonne jour. Nous sommes les premiers dans la région à produire le tourteau de soja de qualité qui permet d'améliorer de façon significative la qualité des aliments, des poulets de chair et des pondeuses. Et je voudrais noter au passage que c'est grâce donc à l'appui du PASA que cette innovation est arrivée, l'utilisation, l'incorporation du tourteau de soja dans les aliments et qui permet de réduire le coût du kilo d'aliments puisque nous l'utilisons en remplacement du poisson. Et en plus de cela, il a un effet, celui de faire baisser de façon drastique le taux de cannibalisme, le taux de piquage dans les poulaillers.